ici, Droduc, par l'arrêt de bus. C'est le plus court chemin. D'accord, je te suis. Mon sens de coude me titille. Les potes de la liberté sont en route. Un affrontement se prépare. Désolé, c'est stress. Continue, vers l'arrêt de bus. Ah, oh, ces missions d'escorte, c'est vraiment les pires. Ah, oh putain, si près. Va vers la rue principale, Droduc, et tiens-toi prêt à te battre. Oui, continue un peu. Théma, il est en mode... Non, pas par là, la rue principale. Les coups de la liberté sont dans la rue principale, et nous, non. Sorry, bro. T'es censé travailler en binôme, je te rappelle, Twig. Ouais, je me rappelle. Alors quand j'ai quitté le Kun et sa bande, t'aurais dû m'accompagner. J'aime bien le Kun et sa bande. Parce que t'avais tes propres films. Bon Dieu, te voilà enfin. Il s'envoie vraiment sur la tronche. Il fallait que Super Craig sorte ses films avant de lancer Wonder Twig. Sinon, c'était pas logique. C'est tout votre groupe qui est pas logique. Parce que tu es un traître, Twig, et tu as rejoint un groupe de super traîtres. C'est vous qui avez commencé. Tout votre petit monde qui pensait qu'un traitement préférentiel serait réservé à certains héros. C'est pas nous qui avons déserté cette foutue franchise, Mysterion. Eric, il faut que tu m'écoutes. Je suis en train de te parler par lien télépathique. Sors de ma tête, Timmy. Votre franchise n'aboutira pas. Prends-toi à l'évidence, Eric. Vous êtes tous des demeurés. Il vient de nous appeler demeurés, dans ma tête. Ah ouais? Ok, espèce de fils de pute. Ah Timmy! Enfoiré! Les mecs, occupez-vous de ces enflures. Commencez le combat. C'est une grosse erreur de s'en prendre au Kun et à sa bande. Twiki, on dit à l'action. On va attaquer Mysterion. Bon. Lequel vaudrait mieux. Ouais. Là, on me voit. Twiki est blessé. Quelle surprise. Le nouveau va vous latter, les potes de la liberté. On va bloquer Super Rare. Quoique. On va focus le même Twig. On va continuer sur Twig. T'as jamais eu l'impression que la vie te punissait d'être aussi nul, Twig? Ressens la colère de l'homme cerf-volant! Putain de laser! Oh, c'est là! Mysterion! T'as trop la tête dans les nuages? Voiture! Voiture! Tire-toi! Va chier, c'est la guerre civile, bouffon! La voie est libre! La voie est libre! C'est mon putain de tour, ouais! Et du coup, on a gagné un tour, je crois, non? Je sais plus. Tuc. Prenez ça, pigeon merde. Là, tu te sers de ta tête. Conduite de tir en ligne. Super tornade. Pardon, le nouveau. Mince. Mais t'es dans la mauvaise équipe. Putain, il nous a jarté. C'est un truc de fou. À la vitesse du son. Putain, mais on tape que Twig là. Yeah. Hey, je croyais que c'était moi qui étais censé battre Wonder Twig dans mon film. Réfléchis bien à ce que tu fais de nouveau. Je suis en l'air, d'accord. Qui on pourrait soigner? En vrai, personne pour le moment. On a pas grand monde à soigner. On va utiliser notre laser. Cerf-volant, tu te bats pour le mauvais camp. C'est à moi. Pas de pitié. Ah, merde, j'ai besoin d'un café. Super Craig, au rapport. Du coup, là, on va pouvoir faire un bon combo, là. J'en ai ras le cul de ce truc. C'est lent, mais... Allez, Mysterion KO. Genre, il lui reste un HP. À mon tour de m'éclater. Super tornade enclenché. Ça va peut-être t'apprendre.
Ouh, on a notre ulti. Let's go. J'ai pas trop envie de l'utiliser. Ouais, bah. On l'a déjà vu le sien. On va utiliser celui de quelqu'un d'autre. Mince, on peut pas soigner. Ça c'est juste parce que j'ai envie d'utiliser l'ulti de quelqu'un d'autre. Guéri en 3 dixièmes de seconde, trop remboursé. Idiot. Merci de main. Là, tu es dans le mauvais camp, le nouveau. C'est parti. Oh. Ah non, je me suis trompé de touche. Je prévois une douce brise avec forte probabilité de laser et de brûlure. Non, c'est pas grave. On va utiliser notre ulti du coup. Hein. On s'est bien marré les potes de la liberté, mais il est temps de se dire adieu. Boom. Super rare. KO. Wow, il y a encore du monde en vie en bas. Ah non, il est pas KO, putain, il a masse HP. Ouais, bah du coup là, y a rien à faire. Hein. À moins que, attendez. Viens me chercher, enflure. Attention, j'arrive. On va régler ça vite fait. Tu veux des soins? J'ai des soins. Hop, on va soigner. Tac. Tiens, ça va le faire. T'es pas obligé d'être avec eux, le nouveau. Boum, boum. Allez, abandonne, Super War. Je suis le plus puissant des cerfs-volants. Putain, un HP encore. Bon, là, il est mort. À plat et suture. C'est le moment où les méchants regrettent leur yes choix. Yes, on a gagné. Beau travail, le nouveau. Tu commences à te débrouiller. Eh, hey, attends. Et le Kun, alors? Oh, merde, venez. Kun, qu'est-ce qui s'est passé? Timmy s'est échappé. Il m'a complètement tourné la tête. Tu te sens bien? Non, sérieux, les mecs. Il m'a totalement bousillé le cerveau. Ah, je l'ai attrapé. Le combat s'est engagé. Mais ses pouvoirs mentaux étaient trop puissants. Alors, on a fait tout ça pour rien? Pas tout à fait. J'ai le téléphone portable de Timmy. Ah ouais? On y trouvera forcément un indice. Rapportons-le à la base. Super Craig pour l'analyser. Super. Du coup, maintenant, voyons voir quelle quête on a à faire. Retourner au repère du Kun. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire d'autres trucs? Maîtriser toutes les titres. Ok. Ah bah, on va aller voir le Kun du coup. Ah. Allô, c'est bien le petit super-héros qui a tous ses followers sur Instagram? Tu es convoqué à la mairie. Le maire de South Park veut te parler. Ne la fais pas attendre. Oh oh, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est où la mairie? La mairie. De toute façon, on va prendre le téléporteur. Ouais, j'étais en retard. Hey, le nouveau, je t'emmène où? Alors, la mairie, il me semble qu'elle se trouve... Ça, c'est l'école, ça, c'est l'église. Putain, il y a le... Waouh, ça va être stylé, là-bas. Le cinéma, la maison... J'aurais pu prendre 7 millions de selfies, déjà. Putain, mais sérieusement, déjà la mairie. Ah, c'est là. Du coup, nous on est où?
T'y vas ou quoi? Attends! Il me saoule. Bon, en gros, on y va à pied. Hein. Non, non. Vas-y, casse-toi. Du coup, on y va à pied. Tiens, cadeau. Plaisir de frère. Tu te tapes l'affiche, mon pote? Non. Bonjour, je suis le maire de South Park. Tu dois trouver ça impressionnant d'être ici. Bon, très bien, écoute. Tu peux peut-être m'aider. Cette nouvelle vague de criminalité n'est pas une coïncidence. Un groupe ou quelqu'un veut me faire perdre la face. Plus la criminalité augmentera, plus on demandera ma tête. Celui qui est derrière tout ça veut que je sois remplacé. J'ai besoin de gens comme toi. S'il te plaît, découvre qui est derrière cette vague de criminalité. Ma vie politique dépend de toi. Annulez tous mes rendez-vous du jour. Vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui, madame. Excellent. Continue, assistant, c'est du bon travail. Allez, on va continuer du coup notre quête. Pour aider. Alors, on doit aller faire quoi? C'est drôle, ça apparaît pas dans... Attendez, je retourne. Jamais. Tous ceux qui me trouvent condescendante peuvent rentrer bourrés à leur mobilhome en pick-up. Quel enfant n'aimerait pas prendre une photo avec l'élu la plus haut placée de sa ville? Ah cool, on a le droit de faire une petite selfie. Très bien, maintenant... Peut-être, si le maire te suit. Bah, la maire, il me suit là. Sauve-toi, gamin. Le bureau de la maire n'est pas une cour de récré. Oui, j'aime participer aux activités liées aux réseaux sociaux, c'est tellement important. Ah ouais. Youpi. Johnson. Super, attends. Je verrai peut-être ça sur les réseaux sociaux. Prenons une photo ensemble, futur électeur. Youpi. Pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt bien au niveau au des selfies. Au nom de tout le bureau de Madame le maire, merci pour ton soutien. Ça marche. Maintenant, on retourne voir le Coon. Nick, ta mère. Nick, ta mère. Ah, te voilà, Trouduc. Très bien, alors au boulot. Mec, il va falloir que t'éloignes le moustique des filles du raisin. S'il fait une rechute, t'es dans la merde. Du coup, on fait quoi, là? Qu'est-ce que t'as prouvé, Super Krag? Le téléphone de Timmy contient un tas de notes à propos d'une fille qui a des infos sur toutes les activités criminelles de la ville. Quelle fille? Ça dit juste, trouver la fille avec le tatouage de bite. Quelle fille en ville porte un tatouage de bite? Je sais pas, Moustique. Mais les potes de la liberté doivent penser qu'elle est la clé pour retrouver ça doit ce être chat. Bébé. Si les potes de la liberté la trouvent avant nous, c'est eux qui toucheront la récompense. On peut pas laisser faire ça, les mecs. Il faut empêcher les potes de la liberté d'avoir une franchise, coûte que coûte. Alors il faut qu'on trouve la fille au tatouage, ce soir. Quickie a raison. Nous devons tous faire le mur ce soir pour passer la ville au peigne fin. Qu'est-ce que t'en dis, le nouveau? T'es de la partie? Eh, si tu veux rejoindre le Coon et sa bande, va falloir apprendre à communiquer. Carrément. Qu'est-ce qu'il faut avec nous, d'abord? Lâchez-le, les gars. Il a eu une enfance difficile. À l'âge de 6 ans, son père a baisé sa mère. Quoi? Je suis désolé, mais il est temps de leur apprendre des douloureuses origines. Trouduc ne fait confiance à personne parce que son père a baisé sa mère et il a rien pu faire pour empêcher ça. Mais c'est absurde! Je sais. Comment la personne en qui on a confiance peut faire ça à la personne qu'on aime? Cartman, les pères baisent les mères, c'est comme ça! Hein? C'est comme ça que ça marche, grosse nouille! Nos pères baisent nos mères! Ah, d'accord! Alors ça voudrait dire que ton père a baisé ta mère, Kyle, c'est ça? Oui! Mon père a baisé ma mère, c'est pour ça que je suis là! Ne copie pas ses origines, mec, c'est pas cool. Mais t'es un vrai débile mental! Chaque être humain sur Terre a eu un père qui a baisé sa mère et... c'est bon, c'est pas important pour le moment. Il faut qu'on trouve la femme au tatouage de bite. Ouais, rentrons pour nous préparer aux missions de ce soir. Allons-y, les amis du Coon. Mais quel abruti! C'est bon, respire. Je crois que tu devras affronter ce genre de sectarisme toute ta vie, Trouduc. Quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils s'en prennent aux autres. Ce soir, tu pourras être l'acolyte d'un des amis du Coon.
Rentre chez toi et fais le mur quand tes parents dormiront. Je te ferai un topo plus tard. Retirer le costume. Vas-y, oui. Putain, c'est Cartman qui est le plus tolérant. C'est ouf, c'est ouf. Du coup, on va pouvoir faire la mission de Randy, vu que c'est la nuit. Ça va être pas mal. Du coup, on va rentrer chez nous. Les pères baisent les mères. Ah merde, c'est pas chez nous ici. Sorry, bro. Je crois que c'est l'autre maison. C'est celle-là chez nous. Qu'est-ce qui te prend de parler au conseiller pédagogique? Pourquoi t'as décroché? Mais t'as perdu la tête ou quoi? Notre enfant a ressenti le besoin d'aller voir le conseiller pédagogique, ça ne te fait rien? Alors, tu lui as dit la vérité? Oui, j'ai dit qu'on était au courant des problèmes d'identité sexuelle de notre enfant. Mal gaulé! Tu vas tout faire foirer! Je n'ai pas de reproche à subir de la part d'un fumeur d'herbe! Il me faut un verre. C'est ça! Noie tes problèmes dans le pinard, vieux boudin! Oh, coucou! Tu as passé une bonne journée? Je suis crevé! Je vais me coucher. Le dîner est sur la table si tu en veux. Mais ensuite, direct au lit, d'accord? Drogué! Sac à vin! Allez, avale ton repas. Oh, il est triste. C'est bon, c'était sûr. Nickel. Attends, j'irais bien voir dans la chambre des parents, du coup. Nouveau costume démo. Ok. Mon poussin, je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, maman t'aime. Depuis toujours. Bonne nuit, mon cœur. Minuit, l'heure du crime. C'est là que les créatures surgissent. Malheureusement pour les créatures, autre chose surgit aussi la nuit. C'est le cône. Enfuis-toi de chez toi. Yeah. Mais là, je partirai bien sur un nouveau costume. J'ai fait nuit. Pourquoi on mettrait pas... Tout doucement. Wow! C'est parti en couille là! Oh, gentil matou! Gentil! N'oublie pas de te servir de tes pétards à mèche pour faire exploser des trucs! A plus, mon pote! Ah! Peut-être que. Ah, ok! Non, mais c'est quoi cette sécurité de fou? Sortez d'ici! Ouais, mais il nous manque la clé. Faut qu'on trouve la clé. Ok, elle est là. Ah, qui est là? C'est qui? N'ayez crainte, car voici venir Capitaine Diabète. Captain Diabète! Oui, un gentleman aux manières affables maîtrisant le pouvoir du diabète. Avant, je n'étais qu'un simple élève du primaire, mais un jour, un terrible accident scientifique transforma mon diabète en pouvoir surhumain. D'accord, acolyte, on doit enquêter sur une fille qui sait peut-être où elle s'est perdue. Suis-moi!
Ok, comme ça. T'es prêt? Allons-y, acolyte. Kai, vas-y de ce côté. Putain, il va vite, lui. Salope! Tu vas déguster! Je suis Capitaine Diabète, et voici mon fidèle acolyte. Ah, ok. Bon, si vous voulez bien me laisser passer, faut que j'achète de la bière. Je suis désolé, mais Capitaine Diabète ne peut pas vous laisser conduire. Je peux conduire, ok? Du balai! Hé, rends-moi mes clés! Vous n'êtes pas en état, monsieur. Je vais bien, ok? Regarde. Attends. Je vais bien. Ok? Donne-moi mes clés, s'il te plaît. Je vous les rendrai demain. Donne-moi ces foutues clés! C'est parti! On va commencer le combat! Vous croyez que vous pouvez danser avec ça? On va voir! À l'attaque! Hey, j'ai failli tout renverser! Prends-en de la graine, acolyte! Alors, on peut faire ça. Vu qu'il est congelé, il peut pas attaquer. Je me sens remonté dans le bide. Arrête-le, acolyte. Ah, c'est ça. Emmerde le mec qui est à jeun. Et on va faire Y. Ouais, c'est un bouclier qui va absorber les dégâts. Diabète va y avoir droit, et le gamin qui est avec lui aussi. Donne-moi mes putains de clés. On en renverse partout. Fais vendre la purée, acolyte. Je croyais qu'on était en Amérique. C'est pas l'Amérique. Je vais les retenir, acolyte. Repousse et ralentit les adversaires, gagnent en protection. Ok. Mais de toute façon, non. Parce qu'il pourra pas attaquer le prochain tour, donc c'est un peu inutile. Merde. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je me sens épuisé d'un seul coup. Ça plaît, acolyte. Nom de Dieu, c'est honteux. Putain, il a pas mal de vie. Je vais m'en occuper. Ah, je rate toujours le second. J'ai besoin de mes putains de clés pour aller acheter de la bière, petit bâtard. C'est justement le problème, monsieur. Foutaise. Allez, acolyte, écrase-les. Ah, mince, je ne peux pas utiliser ça. Je vous déteste tous, là. Personne ne peut battre Capitaine Diabète et son fidèle acolyte. Ah, le pouvoir du diabète. Le pouvoir du diabète. Hey, allez chier. Ah, cool, on a notre ulti. On va l'utiliser avec Captain Diabète. On se bat, déjà. Je me suis emparé de vos clés. Je suis en état de conduire. Ça va... Ok, là, ça va. Vous devriez être en mesure de conduire vers 11h demain matin. Il est déjà 11h quelque part. Ouais, ça sert à rien, mais bon. C'est juste pour le délire. Un petit roupillon et après je récupérerai mes clés. Comment l'a défoncé, Captain Diabète? Allez, acolyte, on a une mission à accomplir. Ça marche. Vas-y, y'a un raccourci par la base de l'homme cerf-volant. Comment ça, y'a un raccourci par l'arbre là? Non, enfin, c'est l'entrée, quoi. Kai est sur une autre mission pour l'instant.
On doit se débrouiller seul, acolyte. C'est à nous de faire la lumière sur cette affaire. Faut qu'on fasse quoi? Dépêche-toi de grimper. Enfin, je comprends pas où il faut qu'on aille. Le raccourci est en haut dans le grenier. Le coup nous a autorisé à l'utiliser. Ah. Des fois, quand c'est trop de sucre dans le sang, je deviens super fort et méchant. J'appelle ça ma fureur du diabète. Bien joué, acolyte. Pas de soucis. C'est la base secrète de l'homme cerf-volant. L'épée, ça me met en colère. Le Kun dit que c'est parce que ma mère a pété quand je suis née et que c'est pour ça que j'ai le diabète. Le raccourci est derrière cette fenêtre. Je n'ai pas de base secrète, mais s'ils en avaient une, je rentrerais avant de faire venir des super invités. Il a même pas préparé des selles pour nous. Bon sang! Bien joué, acolyte! Ce raccourci va nous amener directement au cœur de South Park! Allez, acolyte, arrête de flipper! Thomas, il a une tyrolienne! L'intrépide héros et son acolyte s'enfoncent dans la nuit noire, prêts à pourfendre le mal et à rétablir la paix. Tu crois quand même pas que les gens attrapent le diabète parce que leur mère a pété lors de l'accouchement, hein? Je crois que le Kun a tout inventé pour faire douter Capitaine Diabète. Comme tu peux le constater, acolyte, la nuit, South Park est un endroit bien différent. Il faut aller au Peppermint Tipo, direction la Grand Place. Ouah! Putain, mais... Est-ce que tout s'est bourré, là, dans son Spark, c'est ouf. Wouh! Burnham County assure! Le meilleur groupe du monde! Ils pourraient m'avoir s'ils voulaient! Ils m'ont eu! Ouais, la country, ça claque! Ma fureur du diabète fera la fête! Oh la vache, je la sens monter! Tout ce sucre! Ah. Oh putain, c'est trop! J'ai besoin d'insuline! J'ai besoin d'insuline, vite! Et voilà de retour à la normale! Tu comprends maintenant comment j'ai appris à maîtriser mon diabète? Fais-moi par ici! Ah. Il n'y a plus la photo de l'autre là.